Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Ange Rajoel, de nouveau à la tête de la grande île malgache, l'ancien chef de l'État, a remporté l'élection présidentielle avec 55,66% des voix, d'après les résultats provisoires publiés par la CENI. C'était une année 2018 pleine de bouleversements pour l'Éthiopie. Les changements concédés par le pays en l'espace d'un an sont fulgurants. Bouleversements dus notamment au vaste programme de réformes entrepris par le Premier ministre Abiy Ahmed. Et puis la quête vers l'énergie propre se poursuit sur le continent. L'Afrique tente une transition énergétique en misant sur les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle malgache du 19 décembre sont tombés. Ange Rajoel remporte le scrutin avec 55,66% des suffrages, selon la CENI. De nombreux défis attendent le nouveau chef de l'État si les résultats sont validés par la Haute Cour constitutionnelle. Marcel Farba Maroun et Mariama Dramé. Ange Rajoel, élu président de la République de Madagascar, selon les résultats provisoires rendus publics jeudi 27 décembre 2018 par la Commission électorale nationale indépendante malgache, le leader du parti TGV Mapar a obtenu 55,66% des voix devant Marc Ravalomanane, ancien chef d'État de 2002 à 2009, qui lui totalise 44,34% des suffrages. Les résultats sont de mon point de vue le fruit d'élections libres, qui ont été constatés par tous, démocratiques, puisqu'il y avait 36 candidats et 2 finalistes, et puis surtout un bon déroulement de ces élections, qui d'ailleurs a été salué par les observateurs internationaux, la communauté internationale, au premier rang desquels l'Organisation des Nations Unies. Les 5 prochaines années seront déterminantes pour le président Ange Rajoel, notamment sur le plan économique. D'après la Banque mondiale, 75% des 25 millions de Malgaches vivent avec moins de 2 dollars par jour. Tout d'abord, rassembler naturellement toutes les bonnes volontés crédibles et expérimentées qui permettront le décollage de notre pays. Ensuite, naturellement, de mettre en chantier un certain nombre d'infrastructures essentielles à Madagascar qui permettraient de désenclaver des régions et ainsi de lutter contre la pauvreté. Et le troisième défi qui est également très importante, c'est de restaurer, y compris avec force et vigueur, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. À 44 ans, Ange Rajoel deviendra le plus jeune des présidents en exercice en Afrique si la Haute Cour constitutionnelle confirme son élection. En 2009, il pousse son désormais ex-challenger, alors président de la République, à démissionner de son poste avant de prendre le pouvoir. Une situation que la communauté internationale a qualifiée de coup d'État et considérée par Ange Rajoel comme un soulèvement populaire. 2018 aura été une année pleine, marquée par des changements en Éthiopie. Le résultat, selon de nombreux experts, du nouvel élan politique impulsé par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a pris ses fonctions en avril 2018. On pourra notamment citer l'accord de paix signé avec l'Érythrée, les nouvelles réformes porteuses d'espoir et surtout l'arrivée au pouvoir d'une femme en octobre 2018, une première pour le pays. Siamlo Victor Asseji. En 2018, une nouvelle ère politique a soufflé sur l'Éthiopie. L'arrivée à la primature d'Abiy Ahmed en avril avec des réformes ambitieuses a favorisé la signature dès juillet d'une déclaration historique mettant fin au conflit avec l'Érythrée. Le gouvernement s'est alors engagé à céder la localité de Badme et retirer ses troupes, scellant ainsi la paix avec son voisin érythréen après plusieurs décennies de guerre. Aujourd'hui, on a un premier ministre qui épine sa marque, qui a été audacieux au sens régulier du terme, qui a mis beaucoup de volonté, des compromis pour ne pas dire des compromissions. Aujourd'hui, si un premier ministre vient avec tout son engagement, avec toute sa détermination, et puis surtout une volonté politique éclairée, je pense qu'il faut s'en réjouir. La démission entérinée du président Mulatu Teshome en octobre a également constitué un tournant décisif dans l'avenir politique de l'Éthiopie. Portée par la désignation à l'unanimité par le Parlement de Saleh Work Ziwdi comme chef de l'État, première femme à ce poste, la fin 2018 a suscité tous les espoirs dans le cœur des Éthiopiens. La parité qui est appliquée entre hommes et femmes, je pense que ça aussi, ça fait partie des réformes du Premier ministre. Elle aussi, elle va impulser les réformes qu'on attend d'elle en 2019. Le nouveau gouvernement d'Éthiopie s'est par ailleurs engagé à renforcer l'unité nationale, garantir les droits humains et lutter contre les violences intercommunautaires. À cet effet, une loi instituant une commission de réconciliation a été adoptée par le Parlement lundi 24 décembre 2018.
Au Sénégal, le dépôt des candidatures en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019 s'est terminé le 26 décembre à minuit. Avec le nouveau système de parrainage universel, ce sont près de 20 dossiers qui ont été déposés. La liste des candidats retenus sera publiée au plus tard le 21 janvier 2019. Les détails avec Cheikh Omar Bandaogo. Ils sont près de 20 prétendants au pouvoir à avoir pu récolter au moins 53 000 signatures d'électeurs de tout le pays, car ayant pu déposer leur dossier de candidature pour la présidentielle de février prochain au Sénégal. À la clôture des dépôts ce 26 décembre, le président sortant Macky Sall est perçu comme un véritable favori. On peut le relativiser notablement. D'abord, c'est un président de la République, c'est un chef d'État dont la parole ne vaut plus un copec. Nous avons constaté que depuis le 2 avril, date de son installation officielle jusqu'à nos jours, il a renié pratiquement tous ses engagements. Si le président Macky Sall peut déjà compter sur le soutien de certains partis politiques, il pourrait encore avoir un large boulevard vers une victoire dès le premier tour. Les candidatures de deux de ses principaux opposants, que sont Khalifa Sall et Karim Ouad, risquent d'être invalidées par le Conseil constitutionnel. Pour le cas de Khalifa Sall, les juristes les plus éminents estime, affirme même que sa candidature ne peut pas être invalidée. Parce que jusqu'à présent, il est considéré comme innocent. Quant à la candidature de Karim Ouad, elle est déjà invalide. Parce que les gens ont modifié le code électoral. Parce que le code électoral ne disait pas que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être électeur. Malgré tout, la compétition pourrait être serrée. On note en effet la présence d'une nouvelle génération d'hommes politiques, incarnés par Ousmane Sonko, capable de bouleverser le jeu politique. Pour le moment, le Conseil constitutionnel examine les candidatures et devra publier la liste des candidats retenus au plus tard le 21 janvier 2019, soit 35 jours avant le premier tour prévu le 24 février. Le retrait de l'organisation de la CAN 2019 pourrait bouleverser le budget de l'année qui va débuter au Cameroun. Le groupement interpatronal camerounais préconise de ce fait une révision des axes prioritaires du budget 2019 pour mieux répondre aux défis actuels du pays. Les précisions de Corinne Kamse. Selon le JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, une révision du budget 2019 s'impose. Ceci en raison du retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, décidée le 30 novembre par la Confédération africaine de football. Cette révision devrait, selon le JICAM, s'effectuer avant l'entrée en vigueur de cette loi de finances pour garder la sincérité de cet outil majeur de pilotage de la politique économique nationale. Il vous souvient que dans le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour les exercices 2019, présenté à l'Assemblée nationale le 21 novembre 2018, le Premier ministre a cité les préparatifs de la CAN comme troisième enjeu ayant présidé au cadrage budgétaire de l'État. Sans la CAN, il est donc fondé de penser que l'État aura du mal à mobiliser les ressources projetées. Sans la CAN, certaines dépenses ne sont plus à l'ordre du jour. Jusqu'ici, la demande du JICAM n'a pas reçu un écho favorable, d'autant plus que le chef de l'État avait prescrit à la suite de son retrait la poursuite de la construction des chantiers de la CAN pour leur achèvement dans les plus brefs délais. On continue de construire les stades, on continue d'investir dans les infrastructures. N'oubliez pas que le gouvernement lui-même se donnait un délai de mars 2019, donc du coup, il y a les travaux qui se poursuivent. Depuis qu'on a retiré la cale, c'est pas comme si vous êtes allé sur les chantiers et on ne fait plus rien du tout. Et il n'y avait pas un stock d'argent coincé quelque part qui attendait. Ce sont des dépenses progressives, programmées et qui évoluent avec les ressources de l'État. On rappelle, la loi de finances 2019 du Cameroun prévoit un budget de 4 850,5 milliards de francs CFA, en hausse comparativement au budget de l'exercice 2018 qui était de 4 689,5 milliards de francs CFA. L'énergie solaire n'a cessé au cours de l'année 2018 de prouver son potentiel. Source d'alimentation des véhicules ou des foyers, l'énergie solaire est prête à remplacer les énergies non renouvelables. Sur le continent, cette source d'alimentation énergétique propre gagne du terrain, mais demeure inégalement exploitée. Matidia Diaby. L'Afrique a fait de 2018 l'année de l'énergie solaire. Sur le continent, de nombreuses initiatives ont démontré le potentiel de cette source énergétique. En septembre 2018, les participants à la course South Africa Solar Challenge ont prouvé que l'énergie solaire est capable de déplacer des voitures et de remplacer le carburant.
Solar cars, it's something that looks futuristic. So who wouldn't want to be part of La voiture solaire, c'est le futur. Tout le monde devrait vouloir en conduire une. C'est la solution à de nombreux problèmes. Désormais, vous pourrez conduire sans dépenser de l'argent pour le carburant. Just so that you drive to wherever you want to drive to without having to spend money for fuel. Grâce à l'énergie solaire, la start-up Lumos Global a permis à des centaines d'Ivoiriens qui n'étaient pas rattachés au réseau électrique national d'avoir accès à l'électricité. Quand on n'éveillait pas lumière, mais à cause de ça, il y a lumière à tout moment, je peux étudier à mon enfant, ou mon fils est 12e de sa classe. En tout cas, avant, à cause de la lumière, il n'arrivait pas à étudier. En tout cas, ça a changé ma vie. Tandis que 40% des ménages africains n'ont toujours pas accès à l'électricité, selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, de nombreux acteurs économiques et politiques considèrent l'énergie solaire comme la solution au déficit énergétique de l'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.